Bienvenue dans ce cinquième épisode de la série Faire son Mario Bros avec Scratch. Nous allons voir comment faire plusieurs appels du sol numéro 2, donc le faire revenir une fois qu'il est arrivé à la gauche de l'écran. Là, il s'arrête et nous pouvons voir qu'il s'arrête à moins 465. C'est la valeur qu'on avait choisie précédemment. Il va donc falloir ajouter 1. Pour que l'abscisse soit plus petite que cette valeur lorsque solde arrive en bout d'écran et que le script puisse sortir de la boucle. Nous allons lui demander ensuite de revenir à droite de l'écran, donc à une abscisse de 480. Pour boucler solde, nous allons étudier à combien doit-on initialiser son abscisse à chaque appel. À l'issue du premier appel, solde a une abscisse de 480 et dans mouvement, il y a 2 fois 480, soit 960. Pour traverser l'écran, puis 480 pour en sortir. Pour son deuxième appel, il faut qu'il soit de nouveau positionné à 480 d'abscisse, donc 480 plus 960, c'est-à-dire 480 x 3. Et dans le mouvement, nous aurons 960 x 2. Pour le troisième tour, 5 x 480, et dans le mouvement, 960 x 3. Pour le quatrième tour, ça fonctionne de la même façon. 7 fois 480 et dans mouvement 960 fois 4. On va donc modifier la valeur de l'abscisse à chaque appel. Nous allons mettre 3 fois 480, puis 5 fois 480, puis 7 fois 480. Pour cela, nous allons créer un tableau dans lequel nous allons placer les valeurs 1, 3, 5, 7. Donc je vais créer une liste de nombres impairs. J'initialise ma liste, donc je supprime tout ce qu'il y a dedans. Puis j'ajoute les nombres 1, 3, 5 que je multiplierai par 480. À chaque appel, nous allons donc initialiser l'abscisse de solde à 480 fois ce qu'il y a dans chaque ligne du tableau. 480 multiplié par élément du tableau, puis l'élément 2 du tableau, puis l'élément 3 du tableau. Il nous faut donc une variable pour gérer la ligne du tableau. Initialisons la ligne du tableau à 1 pour la première ligne, donc dans lequel il y aura 1. Puis nous additionnons 1 à chaque appel pour passer à la ligne numéro 2, puis à la ligne numéro 3. Nous allons appeler solde plusieurs fois dans le butin niveau 1. Sachant que solde revient tous les 960 fois, nous allons attendre pour le deuxième appel que mouvement dépasse 960. Puis pour le troisième appel, 960 x 2. On teste le script. Le tableau est bien initialisé à 1, 3, 5. La ligne du tableau est bien à 1. Et dans mouvement, il y a 0. Deuxième sol. Et le troisième. Dans la prochaine vidéo, nous ferons la même chose pour le sol 1. N'oubliez pas
de vous abonner et de mettre un pouce bleu si vous voulez continuer le projet. Je vous remercie et à bientôt.